Bonjour, bonjour la famille, les amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir. C'est un grand plaisir, c'est une immense joie de vous rencontrer encore aussi sur cette chaîne, de pouvoir vous parler, de pouvoir vous écouter, de pouvoir partager tout ce qui concerne le voyage dans notre rêve de Oncle Sam. Alors les amis, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir de vous rencontrer aussi pour partager cette bonne nouvelle qui vient je viens de croiser cette nouvelle. Alors, comme je vous ai dit que la première volonté est que je puisse partager, je puisse creuser, je puisse aller jusqu'au fond pour vous apporter de bonnes et excellentes nouvelles et de nouvelles aussi qui seront serviables, les nouvelles avec lesquelles tu pourras jouir, les nouvelles avec lesquelles tu pourras te relaxer et aussi arriver dans tes rêves. Alors les amis, c'est encore ici une fois pour cette vidéo qui on va parler d'une seule chose, le cut-off ou le bulletin officiel de septembre. Alors les amis, jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous réserve un petit bonus, un petit bonus. Alors les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous pourrez voir ce bonus. Alors les amis, dernièrement, je vous ai mis une vidéo sur le cut-off du mois de août. Alors voici le cut-off ou le bulletin officiel du mois de septembre pour les DV 2020. C'est pour les DV 2020 seulement. Alors les amis, bonne nouvelle pour tout le monde. C'est-à-dire que l'Amérique est current, l'Europe est current, l'Afrique est current, l'Asie est current, l'Océanie est current. C'est-à-dire toute la Terre est current. Si on dit current, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu as déjà déposé, si tu as déjà joué, que tu as déjà été sélectionné, et que tu as déjà envoyé ton dossier au KCC. C'est-à-dire que là, on te met sur la liste de current. C'est-à-dire que les gens qui pourront passer, faire un pas à l'ambassade et passer leur interview. C'est-à-dire que même si tu as le numéro 33 000, combien, blablabla, bla, bla, bla. Même si tu as le numéro 29 400, combien. Si tu as le numéro 44 597, tout le monde doit se préparer pour le mois de septembre. C'est-à-dire que tous les gens qui ont été sélectionnés et qui n'ont pas encore été appelés et qui n'ont pas encore passé leur interview auprès des ambassades. C'est juste un seul truc. Il faut passer sur ton email. Les amis, pendant que j'y pense et pendant qu'on en parle, vérifiez tes emails. L'email avec lequel tu as envoyé au KCC, vérifie cet email tous les jours, même toutes les heures. C'est bien parce que c'est par-dessus, c'est par cela que l'invitation se propagera, l'invitation auprès de l'ambassade, l'invitation qui te donnera la date exacte, l'heure et bien sûr le contenu. Le contenu, c'est l'interview. Alors, mais d'abord, il faut que tu aies cette lettre. Même si c'est ton jour et que tu n'as pas la lettre, mon cher, rien ne pourra garantir que c'est ton jour d'interview. Alors ça, c'est le premier document à avoir avant de passer l'interview. Les amis, même si tu es current, même si ton ami est current, alors qu'il n'a pas encore eu son second letter, la lettre d'invitation auprès de l'ambassade, mes amis, je te conseille de écrire à la KCC et demander qu'est-ce qui se passe parce qu'il ne faudra pas passer les portes de l'ambassade sans cette lettre-là. C'est violer une loi. Alors les amis, comme j'y pense déjà, regardez dans ton email et essaie de voir si tu as la lettre. Si tu n'as pas la lettre, écrivez au KCC pour qu'on puisse te mettre à jour. Alors ça c'est un. Encore une autre chose. Si on dit current, c'est-à-dire que préparez-toi. C'est à vos marques, les amis. Hein? C'est prêt, la balle va sortir. C'est-à-dire, si on dit à vos marques, mes amis, préparez tes dossiers. Je pense que tu les as déjà envoyés au KCC.
Alors préparez-les par leur ordre chronologique. Hein. Il y a, je vous ai fait une vidéo dans laquelle les documents sont classés, parce que les documents ne sont pas classés en désordre. Ou selon la façon dont toi tu penses. Alors, classer les documents, ça c'est aussi... C'est une tâche qui pourra faciliter les gens de l'immigration, plutôt... Les gens de l'ambassade, pour vérifier que... Tout était complet. Alors, mes amis, préparez vos documents en ordre chronologique. Je vous enverrai... un lien en description vous disant où vous montrant comment on peut classer les documents lors de l'interview à l'ambassade. C'est ça. C'est ça. Alors ne paniquez pas. Ne paniquez pas pour des groupements familiaux, familiales. C'est toujours papa, maman et les enfants. Il y aura un tas de séries, un tas de questions, mais je vous garantis que c'est rien, c'est rien. Si vous êtes clean, si vous êtes en règle, si vous êtes... s'il n'y a pas de tricherie, tu connais le jour de ton enfant. Le jour où tu as rencontré ton mari. Tu connais le jour où tu as fait... Tu t'es marié, n'est-ce pas, non? Tu connais les noms de tes enfants, leur âge, leurs écoles, tu connais tout. Alors, c'est juste des questions de routine qu'on demande pour les gens qui sont normaux. Si je dis normaux, ça veut dire que les gens qui n'ont pas triché, parce qu'il y a aussi des mariages arrangés, je vous dis, hein, n'est-ce pas? Alors, pour les groupements familiaux, pour les gens normaux, restez cool. Vérifiez votre première lettre, si vous en avez... Et organisez vos documents selon l'ordre chronologique. Et puis aussi, n'oubliez pas de prier, de prier. Car Dieu aussi fait des miracles. Alors les amis, ça c'était pour le bulletin officiel de ce mois de septembre. Toute l'Afrique est current, toute l'Europe est current, l'Asie est current, tout le monde est current. C'est-à-dire que préparez-vous, vérifiez vos emails, et priez pour que tout se passe bien. Alors, comme je vous avais promis un bonus, voici le bonus. Le bonus, c'est qu'il se pourrait qu'il y ait un cut-off au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y aura les bulletins officiels de octobre. Normalement, les amis, vous savez que le budget annuel se termine au mois de septembre 30 et qu'on vote au budget de l'année prochaine. C'est-à-dire que au 30 septembre, normalement, le tombera se terminait et aussi on passait au vote du budget prochain. Alors, pour cette année-là, il y a la chance qu'il y aura les interviews au mois d'octobre. Mais à ce que je vois, c'est vraiment, vraiment des petits chiffres. Ouais, ouais. C'est comme 2 ou 4 personnes... Pour l'Afrique, j'ai vu que c'était... À peu près de 300. C'est-à-dire qu'il y a allongement, il y a prolongation de visa. C'est ça. C'est-à-dire que jusqu'en septembre, ils ont octroyé peu de visas. Alors, pour remplir le nombre de 55 000 visas, comme c'est la convention, ils ont préféré ajouter pour certains. Alors, les amis, je vais vous envoyer le lien en description pour... que vous puissiez voir si votre chance peut se passer en ce mois d'octobre. Alors les amis, vérifiez vos emails, préparez vos documents et priez pour que Dieu puisse vous guider dans vos réponses au niveau de l'interview. Alors c'était ça l'idée, c'était ça la vidéo, pour qu'on puisse partager tout comme je vous avais promis. Alors les amis, je vous dis bye, je vous aime. Et ne paniquez pas, je vais prier aussi pour vous et que vos rêves soient devenus réalité. Bye bye, je vous aime.